هاتوها أنا رايح زور واتهنى مع المحبوب. هاتوها أنا رايح زور واتهنى مع المحبوب. هاتوها آه هاتوها. هاتوها أنا رايح زور واتهنى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. La croyance en la destinée du bien et du mal. Allah Ta'ala dit: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, qui signifie que Allah crée toute chose par sa prédestination, exemple de début. Surat Al-Qamar, ayah 49. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ce qui signifie: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier, et que tu crois que les créatures, qu'elles soient du bien ou du mal, existent par sa prédestination éternelle, exempte des débuts. Rapporté par Muslim. Nous avons exposé dans les leçons précédentes quelques explications de ce qui a été rapporté dans ce hadith, et ceci fait partie de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté à notre connaissance, et en quoi il est un devoir de croire. Ainsi, ce qui est bien parmi les actes des esclaves de Allah a lieu par la prédestination de Allah et est agréé par Allah. Et ce qui est mal parmi les actes des esclaves de Allah a lieu par la prédestination de Allah, mais n'est pas agréé par Allah. Remarque utile, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ibn Abbas que Allah les agrée tous les deux. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ce qui signifie: sache que si tous les membres de la communauté s'unissaient pour te faire profiter de quelque chose, ils ne te feraient profiter que d'une chose que Allah a voulu qu'elle t'arrive. Et s'ils s'unissaient pour te nuire par quelque chose, il ne te nuirait que par une chose qu'Allah a voulu qu'elle t'arrive. Les calames des anges avec lesquels ils copient de la table préservée sont levés et les feuillets sur lesquels ils écrivent ce qui va arriver à chacun avant même que cela ne se produise ont séché. Rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire ceci s'est produit avant que n'arrive à l'être humain ce qui va lui arriver. Il a dit aussi: Kullu shay'in biqadar. Ce qui signifie: toutes les créatures sont entrées en existence par la prédestination éternelle exempte des débuts de Allah, même la faiblesse de compréhension et l'intelligence. Rapporté par Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, le Créateur du monde. La louange est à Dieu, le Créateur du monde.